nom c'est Mauro, Mauro Lúcio de Jesus Pinto. Na capoeira, dona capoeira, chicote, merci chicote. Bon, ça fait 35 ans que j'ai fait la capoeira. J'ai commencé à l'âge de 9 ans, dans la rue, avec trois potes. Et après près 9, 10 mois, avec mes potes, on a fait un petit baptisade de capoeira. Et il y avait un maître, leur maître qui sont venus, et il m'a donné l'opportunité de venir s'entraîner parce qu'il n'y avait pas d'argent pour payer. Mm-hmm. Je suis pauvre. Et j'ai eu l'opportunité, j'ai gagné une bourse pour m'entraîner à la capoeira. Et là, c'était un plus grand cadeau de ma vie. Mm. Ouais. Et à cette époque, j'avais un surnom de Pelézinho. Pelé, c'est le roi du foot. Mm. Par rapport à la ressemblance. Mm. Et aussi, j'ai joué le foot. J'avais un problème dans les jambes, je suis allé à l'hôpital. Et c'est après tout ça que j'ai rencontré la capoeira. Donc, en rentrant dans l'académie de capoeira, le maître c'est Mestre Mathias. Qui m'a donné l'opportunité, la bourse pour s'entraîner dans son académie. Merci Mathias, qui est son groupe. À l'époque, c'était Birimbau de Ouro, le groupe Birimbau de Ouro. Mmh. Il a créé son propre groupe, qui s'appelle Brasil Capoeira. Il habite en Suisse maintenant. Donc, en rentrant, j'ai gardé ce surnom Pelézinho pendant un moment. Et après je crois que 5, 6, 7 ans. Donc le surnom Pelézinho, c'est quand je jouais le foot. Mm-hmm. Je voulais un truc de la capoeira. Bon, de la capoeira. Bon, j'ai demandé de changer de surnom. Et là, les surnoms qu'ils ont proposé, ça, j'ai pas aimé parce que c'était préjuratif par rapport à ma couleur, tu vois. Mm. Et j'aimais pas. Donc j'avais demandé, est-ce que j'ai pas choisi mon propre surnom? Moi j'ai dit oui, tu peux. Moi j'avais choisi Chicote. Mm. Pourquoi Chicote? Parce que Chicote c'est le fouet qui fouettait les esclaves. Moi, je voulais être le chicote, le fouet, pour fouetter toutes les mauvaises choses qui vont tomber dans ma vie. Mm-hmm. Tu vois, ça a la raison. C'est là. Et là, c'est incroyable qu'à partir de ce moment, cette chose, ce surnom, ça a rentré dans moi. Et la façon, et aujourd'hui, c'est la façon où j'ai conduit ma vie et j'ai conduit l'enseignement de la capoeira. Oui, déjà, quand je suis parti de ma ville où je suis né et où j'ai commencé la capoeira, j'ai rencontré d'autres capoeiristes dans une autre ville qui s'appelle Papes Minas. Et là, j'ai commencé à faire un travail avec les enfants. Et les enfants, ils ont grandi. Avec le temps, j'avais besoin d'améliorer la technique. Je suis toujours à la recherche du mieux. Mm. Je crois qu'on peut toujours améliorer notre vie, mm. Notre technique, notre façon d'être. Mm-hmm. Et c'est là où j'ai rencontré le groupe Cordon de Ouro à l'époque. Mm. C'était Raiz Cordon de Ouro. Mm. Une des raisons que Mestre Panter est là aussi, il est là dans ma vie, mm-hmm. c'est que quand je suis rencontré le Raiz Cordon de Ouro, c'était lui qui était dans la roda en train de jouer et j'ai regardé cette technique. Mm-hmm. Tu vois, j'ai dit, c'est ça mon prochain pas. C'est ça le prochain pas pour mes élèves. Super. Tu vois? Ils ont m'accepté dans le groupe. Et après, ça fait un boom. Parce que je suis parti de RE, de la roue. Une bourse dans une académie, changé de ville, commencé un travail avec les enfants ont grandi,
rencontre d'un autre groupe qui m'a apporté la suite. Dans l'évolution. Ouais. Je suis allé dans la capitale pour m'entraîner avec eux pour améliorer la technique, rentrer dans ma ville pour améliorer la technique de mes élèves. Et après, j'ai eu l'opportunité d'aller aux États-Unis. C'est le premier pays où je suis parti. Mmh. Après le Brésil. J'ai habité aux États-Unis dans 5 ans. Et là-bas, j'étais bien accueilli. Et j'ai construit un très beau travail là-bas qui s'est toujours en actualité. Tu vois? Mmh. Et depuis là-bas, je suis venu. J'ai déménagé en France. Ok. Ouais. Ah. En France. Et après, c'était un autre debout. Mmh. Un autre debout, mais avec beaucoup d'expérience. Super. Donc, j'ai démarré le travail en France. En même temps que j'étais aux États-Unis, j'ai envoyé des élèves en Angleterre. Et j'ai fait aller-retour aux États-Unis, l'Angleterre. Et c'est là que j'ai connu la France. Mmh. Et j'ai dit, bah, ça c'est bien parce que j'aimais bien le mélange. Paris, c'est il y a tout. C'est comme un carrefour. Oui, il y a tout. Donc j'ai dit, ici c'est bien. Je suis retourné habiter là-bas. Et depuis Paris, les choses, ça faisait qu'a grandi la demande. J'ai percevé une grosse demande dans la qualité de la capoeira. Et là, aujourd'hui, je me rends compte que c'est une mission. Donc, j'ai commencé la capoeira par mes amis. Ça devient une passion. Et la passion, une mission. Et c'est pour ça, le développement dans plusieurs pays maintenant. L'Afrique. Deux élèves à moi allaient déménager en Afrique du Sud, travailler à l'université, grader. Et j'ai dit, bon, vous allez là-bas, vous commencez un travail. Alors, ouais, je commence un travail, mais je ne peux pas prendre soin. J'ai dit, pas de problème, je viens, je vous aide, on va développer et après on va la suite. Ça a marché. Aujourd'hui, là, en Afrique du Sud, c'est grand, là. Ouais, le travail. Ouais. J'ai passé le relais pour Mère Spirine, mais. Là aujourd'hui, je suis de l'autre côté de l'Afrique. Il y avait toujours un appel pour revenir. En fait, ça faisait 10 ans que je devais revenir au Sénégal. Ah ouais? Ouais. Ah, quand même? Ouais, et je sais pas. Il y avait toujours une chose qui m'empêchait. Mais là, je suis là. Bon, mais c'est la première fois que tu. C'est la première fois que je suis au Sénégal. Ça, c'est mon fils Mathis. Ouais. Mon petit. Mon ange de gardien. Ouais. Super. Donc, et là, je suis là. L'expérience ici, c'est. Je suis en train de découvrir. Ouais. C'est pour ça que j'avais demandé de sortir un peu pour voir comment vous vivez ici. C'est quoi votre habitude, ouais, votre façon de marcher, de parler, de regarder un étranger. Hein, et tout ça m'aide à analyser, évaluer, pour trouver la formule de capoeiriste qu'on va travailler ici. Tu vois, l'intégration. Ouais, parce que pour moi, ce n'est pas imposé. Non. C'est partager, comme l'entraînement d'aujourd'hui, c'est tout autour d'un partage, d'un échange. Alors. Et il y a du goré, j'ai encore des sentiments que je ne sais pas exprimer encore. Je ne sais pas si je pleure, si je ris, si je rigole, si je souris, si je parle, si je pense. Il y a un truc magique, du bien, du bon côté. Très bon côté, c'est incroyable. La joie de vivre, on comprend. N'importe quelle situation tu as dans ta vie, tu es content, il faut que tu sois content. Pas accepter, parce que si tu acceptes, tu arrêtes d'évoluer. Il ouais. Faut pas arrêter d'évoluer. Mais toujours garder la joie. Ouais.
pays. 12 pays. 12 pays, 12 pays dans ma direction. Dans votre direction. Ouais. Tout à fait. Et c'est pas facile. Mmh. Ouais. Parce que il faut être vigilant. Il faut être en attente. Et c'est surtout sorti de soi pour comprendre et pour être le bon moment, le bon droit pour répondre les demandes d'aide. Tu vois, pas que technique, mais la vie en général. Parfois, je me sens en éponge et je me ressource. Comme je suis allé en Corée, là-bas, l'esprit, la joie de vivre, ou quand je rentre au Brésil, tu vois, parce que c'est incroyable comme ce côté de l'Afrique, c'est vraiment similaire d'où j'ai grandi, quoi, au Brésil, tu vois. Et ça, à part de venir ici amener quelque chose, mais je me ressource. Pas que pour la jeunesse, hein. Parce que sinon ça va donner une impression que la caméra c'est que pour la jeunesse. Non, n'importe quel âge vous allez commencer la caméra, sache-le que la caméra, à part de vous amener un côté social de bien-être dans votre vie, elle est surtout vous. Si vous ignorez la capoeira, vous ignorez votre existence. Parce que nous sommes en train de comprendre de l'autre côté de l'océan l'importance de revenir à la source, hein, et vous rappeler que elle est très grande dans le monde. Et si il manque cette force, une fois que vous vous réveillez pour comprendre la force qui a la capoeira, qui vient d'ici, l'ancestralité vient d'ici, elle a été développée là-bas au Brésil, mais cette force, la source, c'est ici, le rythme. Il faut croyez à la capoeira. La jeunesse, les enfants, les adultes, les papas, les mamans, n'importe qui, commence à donner la main à cette force. Et vous allez voir, et moi aussi, parce que moi je vais être là, commencer à croire. On est là, je sais que la caméra elle existe ici depuis un moment, mais il manque une chose, et cette chose qui manque, c'est vous, d'accord? Je vais trouver la formule pour vous s'accueillir, pour vous montrer, pour vous réveiller le guerrier dans toutes les figures, dans les murs, dans les écoles, partout et partout dans le monde où vous faites la peinture, il y a toujours un guerrier. Il est où votre guerrier? Réveillez-le. C'est là l'esprit de la capoeira. On y va. On y va. Parce que moi, j'y vais. Hein. En tout petite chose. Mm-hmm. C'est moi qui vous remercie, hein, de votre investissement, votre temps, hein, de chercher à réveiller cette ancienne génération et la nouvelle génération surtout. Hein. Merci beaucoup, ça me touche et c'est une des raisons que je suis là. Et ça me permet de continuer, de savoir qu'on est dans la bonne voie. Donc, qu'est-ce que vous faites, c'est très important. Merci beaucoup.